Amstramgram. Le top 5 des morts les plus choquantes dans The Walking Dead. Attention, certaines images peuvent choquer. Attention, énorme spoiler. Numéro 5, Noah. Alors voilà, depuis cette séquence, c'est terminé. Je ne passe plus par les portes tambours pour entrer dans un bâtiment. Ok, Noah n'était pas vraiment un personnage majeur. Donc sa disparition n'a peut-être pas fait pleurer tous les fans, mais quand même. Mourir comme ça, c'est juste... Dégueulasse. Là, il n'y a pas d'autre mot. Et Glenn est obligé de tout mater derrière la vitre, le pauvre. Numéro 4, Herschel. Une bonne vieille décapitation, c'est quand même moins trash que ce à quoi on vient d'assister, non? Oui, non mais c'est Herschel, quand même. Le patriarche du groupe. Le Dumbledore de Walking Dead, quoi. Comment on va faire sans lui pour pas tomber en dépression? En tout cas, ça prouve une nouvelle fois que dans ce monde-là, les plus gentils tombent les premiers. Comme si on avait besoin d'une raison supplémentaire pour détester le gouverneur. Numéro 3, Abraham. Qui a bien pu se faire déglinguer la gueule par Lucille? La question qui a hanté tous les fans pendant 6 mois. Negan, une batte, 11 victimes potentielles. Nous, on pensait tous que c'était du hasard, avec l'histoire du Amstramgram. Et en fait, non. Negan a juste défoncé celui qui le défiait du regard. Ça, c'est un truc à retenir. Hein. Toujours faire très attention à la façon dont tu regardes Negan. Hell, you're all gonna be doing that. Numéro 2, Laurie. Bon là, question malaise, ils ont placé la barre à un niveau. Même Michael Jordan, il est obligé de monter sur un tabouret pour la toucher là-bas. Pour vous dire les choses comme elles sont, Laurie doit accoucher dans une prison. Évidemment, ça se passe mal et elle meurt en donnant la vie. Bon, c'est déjà horrible, hein. Mais le petit détail qui rend la scène insoutenable, c'est que c'est Carl, le gosse de 12 ans, qui est obligé d'achever sa mère pour éviter qu'elle ne devienne un zombie. Tu peux plus te conduire comme un enfant. Les gens que tu connais vont mourir. Numéro 1, Glenn. Eh non. Lucille n'était pas complètement rassasiée. Abraham, ça lui suffisait pas. Il fallait aussi qu'elle nous prenne Glenn, la saloperie. Eh oh, c'est pas une raison pour devenir grossier, hein. On s'en fout, c'est une batte. Et elle a tué Glenn. Pour l'instant, c'est la mort la plus choquante de la série, physiquement et psychologiquement, y a pas à discuter. Et honnêtement, entre son père, sa sœur et maintenant son mari, Maggie mérite un prix Nobel en endurance émotionnelle. Back to it.